Holy shit. Je me jette. Oui, je me jette. Ok. C'est quand même... Allez, c'est sympa. Le jeu est beau, hein. Pour ça, c'est sympa. Bah, on va envoyer tout le monde à la flotte, hein. On va quand même en laisser un en haut au cas où il faudrait remonter à un moment donné. C'est le genre de jeu un peu bâtard. Tu peux pas revenir en arrière, t'es un peu déçu. Le pauvre, il fait de la peine, pas que du pain à la queue. Mais en même temps, ça fait trois fois qu'il nous a bouffé, alors il est un peu dangereux quand même. Il est un peu dangereux. Il y a une flamme là, faut utiliser la flamme. Sauf que ça a l'air d'exploser là-dedans. Alors attendez, on va peut-être pas prendre la flamme tout de suite, sinon on va tout faire péter. Alors attendez. Attendez. On va faire le tour de la zone d'abord, parce que je pense que c'est un peu comme ça que ça se passe. D'accord, donc là il y a de la dynamite. Donc, je vais prendre un bâton de dynamite. Ça c'est easy ça. Ça faut faire péter des trucs, ça c'est facile. Eh, lâche-le! Qu'il est con! Il voulait pas lâcher la dynamite! On continue l'explo. Ah voilà, c'est. Oh, y'a un truc là où ça a l'air trop stylé. Oh, trop cool! Beaucoup trop cool! Prix d'interprétation, like really? Alors écoute, je te le vole! Je te vole ton prix d'interprétation! Y'a. Oh, allez, 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 allez! En tout cas, là, y'a un truc bizarre. Mais y'a des PC, y'a des ordinateurs sous la cave! Et là, y'a ça, ok. Alors très bien. Voilà, on a pris la petite statuette là qui nous servira sûrement plus tard. On va prendre le moine. Oh, mate. Oh man. Hop. Donc là il faut être deux là-bas. Alors attends. Voilà, hop. On va prendre les petits nains là. Voir un peu ce qu'il y a de l'autre côté. Donc là maintenant le nain, lui il peut passer. Lui on va prendre le gros là. Qui agit comme un des chihuahuas de Paris Hilton. Par contre, plus gros quand même. Ouh, sympa. On a chopé ça. Je sais pas à quoi ça sert encore. Mais continuons. Allez, c'est de l'autre côté. Allez hop, que tout le monde passe, voilà, ni. Le moine il passe aussi. Attends, attends. Ça s'active ça ou pas? Pose ça. Panneau de contrôle de la porte. Bah a priori non, ça se contrôle pas. Alors hop. On peut monter là, on a ça, bouton d'appel de l'ascenseur. Attends, monte dans l'ascenseur toi. Il te fait pas monter l'ascenseur. Bon, va très bien. Moi, je continue à monter les trucs. Salut Azix, salut. Guitare maudite, rien que ça, mon gars. Ah, attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que là, j'ai un superbe crâne. Je peux pas tout prendre. Ah, je peux pas tout prendre. Ah merde, le fusible. Ah non. Oh non. Ah non, je suis revenu là. Putain, quel connard. Connasserie. Alors la merde. Merde. Donc ça me fait revenir au début. Admettons. Quoi ça sert? Alors, what the fuck? What the fuck? Alors là, what the hell? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah mais si, mais c'est bon, c'est juste les trucs qu'il faut ramener au mec, je suis trop con moi, alors attends. Beaucoup trop con.
tiens, hop, donne-moi ça. Et en fait, faut juste que j'accomplisse la mission, en fait. Bah oui, bah oui, 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 bah oui. Bah oui, et moi, avec tous ces trucs-là, j'ai oublié qu'il fallait faire juste ça, moi. Tiens. Donc là, c'est les machins à vendre à la boutique, tout ça. Tiens, alors, viens. Et ça. Hop. Et normalement, c'est bon, on va pouvoir rentrer dans la cave. Parce qu'on est même pas rentré encore, hein. Dans the cave. Voilà. Et on va lui donner ses trucs et ses machins. Tiens, hop, tiens, monte. Hop, 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 dépêche-toi le fermier. Pas que ça foute. Hop. Allez. Tiens. Well, that's one trinket, a far cry from three trinkets. Dis donc, tu m'as l'air un petit peu négatif comme mec, toi. Trinket numéro 2. Et voilà. Third glorious trinket. I have to say, you have surprised me. Parfait, parfait, voilà, on l'a. On est retourné au début du magasin, les babioles. Ouais, bah voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Ouais, j'ai abandonné mon pied de biche, je suis très triste. Merde, qu'est-ce qu'il a dit du coup? Oh, right. Sorry. Ah bah voilà, là on peut rentrer. Yeah! Yeah! Première étape done, les amis, well, putain, GG! It does bode well for our intrepid spelunkers. Ah, fais voir combien de temps il nous a fallu pour faire ça. I have high hopes for this group, much better than the last. Vous rappelle qu'on essaie de faire le genre de still be down here. I should probably get them out. Nothing scares away the tourists like a rotting corpse. Lol. Lol. Ce jeu est beaucoup trop bien. En pénétrant dans cette caverne, vous acceptez par la présente que la caverne Inc, sa maison mère, patrimoine d'aluminium fusionné ainsi que toutes les filiales de la caverne, réelles ou fictives, ne soient tenues responsables des dommages physiques, émotionnels ou spirituels encourus durant votre visite de la caverne pour un minimum d'un an, un maximum de 5 ans après votre sortie de la caverne. La caverne n'est pas non plus responsable de tout dégât, perte ou vol d'effets personnels. Vous acceptez aussi de rembourser la caverne pour tout dégât que vous avez causé ou pas. Bonne exploration. Et ben voilà, que le jeu commence. Nice. J'aime beaucoup l'humour du jeu. Alors a priori on peut pas mourir dans The Cave. Alors ça par contre c'est bien. C'est un vrai die and retry. En jeu de... Ça c'est un poids, ça active quoi? Ça active ça. Okay. Je suis obligé plus ou moins de... Non non mais calme-toi toi. Passer avec lui. Ok. Ah, il y a encore la suite de l'histoire des deux petits là. C'est quoi la suite de leur histoire? Oh lol, je pense qu'ils ont tué leur père. Je pense que ils ont tué leur père. Bah, tu vas rester suspendu à ton poids pendant 2 heures, toi. Je suis mort. Qu'est-ce qui m'a tué? Ah, genre, je suis tombé, quoi. Ah! Ok, donc lui. Hop, faire ça. On en a déjà une de caisse comme ça. Allez, mais putain, le génie, mon gars! Il faut que les trois soient dessus. Ok, d'accord, et bien avançons. Hop, le deuxième, et on va prendre le petit. Hop, compagnon. Et voilà. Allez, avancez les poteaux. Yohou.
Alors là, il y a rien. Là, il y a rien qu'on peut prendre. Il y a rien là. Oh, bah ça a l'air de chauffer ici. Ça a l'air de piquer. Attends, la caverne nous dit d'aller. On a vu qu'il y avait un chemin en bas aussi, mais on va faire le tour d'abord, voir un peu comment se passe la zone. Putain, trop bien. La meilleure chute de vue. Non, on va pas tout de suite aller tout en bas là, parce que je suis pas sûr de pouvoir revenir en arrière après. Donc on va essayer de tout faire. On va aller regarder derrière ce qu'il y avait. Donc là, il y a des mecs qui... Là, ça flambe ici, clairement. Donc, on peut pas y aller. Hop. Et ici, il y a quoi, là? Ah, là, ça a l'air sympa, là. Là, ça a l'air beaucoup plus sympa. Allons par là. Mais lâche le truc! Me fais pas chier, le moine. Là, il y a du feu. Là, il y a ça. Là, il y a une flamme. Alors attends, il y a une flamme brûlante et il y a du feu. Donc le feu, je peux pas l'attraper et la flamme brûlante, parce que je ne peux pas l'attraper non plus. Et ça, je ne peux pas l'ouvrir. Alors peut-être que je dois pas aller là maintenant. Je ne peux pas me servir des trucs. Est-ce que je peux me servir des tonneaux là? Non, je ne peux pas. Éventuellement, si elle avait pu exploser, ça ne marche pas. Donc a priori il faut qu'on continue le tour de la caverne, qu'on suive la fléchette. Allons-y, suivons la flèche. On a vu qu'il y avait des flammes si on a besoin de feu un peu plus tard. Iou. Oh là là, là. Ah, t'es sérieux? That sweet smell of cotton candy and roller coaster vomit can mean only one thing. The carnival is in town. And you know what these three would love even more than going to the carnival? Sneaking into the carnival. Oh, come on, there's no shame in it, really. It's a victimless crime, unlike the crime about to be committed by someone who shall remain nameless. But it rhymes with Bill Hilly. L'histoire a l'air vachement bien, les gars. Ah, ils vont mourir noyés. Ils vont mourir noyés, eux. Ah. Parfait. Ça, c'est pour le Hillbilly, à mon avis. C'est son pouvoir. Je vais une bulle d'air autour de la tête. Ça, je pense que c'est pour le Hillbilly. C'est le seul qui peut passer là. Yay! Donc ça y est, on a utilisé son pouvoir pour la première fois, lui. Ah, tu veux pas allumer ta merde là? Voilà, merci. Hop là. Kaboom! Allez, c'est facile ce truc. Beaucoup trop facile. J'ai beaucoup aimé comme les mômes sont morts dans l'eau. Deux fois le prix d'une. Oh. Ah allez, a priori, ah nos modos veulent être renamés par Amkul. Ils sont jaloux de Bolondor et Neko machin chose. Oh, trop stylé. Ooh, there she is, the amazing two-legged lady. You know the hillbilly carries a torch for her. Ah, if only she would finally notice him. They could marry and live happily ever after with a house full of little Bill Hillies. Ugh. The pink bear hanging in that prize booth looks remarkably like what the amazing two-legged lady desires most. Perhaps the hillbilly can win enough tickets to buy it for her. Then this adorable story can have its happy ending. Je peux pas aller ailleurs. Alors le Hillbilly va essayer de se faire la femme à deux jambes. Il a bien raison, elle est blonde, elle est belle, elle est magnifique.
Viens le hillbilly. Va t'arranger un coup, mon gars. Wouhou! Ah, méchant! Hop là. Bon app, mon kikiz! Mais lâche! Ok. Il faut un ticket. Il faut un ticket. J'ai un ticket. Là, il y a une corne. Well. Oh, alors en fait, il y a plein de trucs à faire avec le ticket. Alors, faisons le tour de la zone, hein, as usual. Si en fonction des personnages que tu prends une caverne différente, c'est juste un coup de bluff le choix entre les 7 persos. La caverne est la même mais les interactions et pouvoirs sont différents. Bah là par exemple, en fait tu vas avoir, du coup on a un niveau pour chaque personnage. Parce que là clairement t'as le niveau de fermier. I can guess anyone's weight with blinding accuracy. Roue de l'infortune. Take your chance with Lady Luck. Spin the wheel and guess the color. If you're right, you win a ticket. Green. Better luck next time. And the color is green. Okay, bah on va better luck next time. On va mettre du green. Hein. And the color is red. Okay. Better luck next time. The color is green. Better luck next time. FDP. And the color is green. Okay. Better luck next time. Alors ça, à mon avis, c'est un truc à cheater. Alors attends, on va commencer par donner l'ours en peluche à la blonde, déjà. Ce qui m'a l'air d'être le truc le plus obvious à faire. Parce qu'on a un ticket. On a un ticket. On a un ours en peluche, on sait que la blonde veut l'ours en peluche. Donnons-lui l'ours en peluche. Ah, j'ai fucked up! Oh non! Mais j'ai tellement fucked up, il en faut 5 des tickets pour avoir ce putain d'ours en peluche de mort! Ah, je suis ouf. Eh bien, transmettez-lui mes salutations, monsieur Stotru, avec plaisir. D'accord, c'est bon. Bah là avec le site à pas le fermier, tu peux pas le faire ce niveau là. On est d'accord, je suis d'accord avec toi Irsol. Ok. Ils ont l'air d'avoir tous des histoires très heureuses, hein, les mecs ici présents. Hein. Donc là, il y a ça. Mais ça, je peux pas l'enlever pour le moment. Intéressant.
passer par là, on va remonter. Et on va aller au chemin qu'on n'a pas pris tout à l'heure ici. On a le reste de l'histoire du moine. Lui il a tué son maître, hein. Lui c'est quasiment sûr, il a buté son maître. Oh on a un ticket, nice. Alors on a un deuxième ticket, allons mettre le deuxième ticket. Chia. Bang. Alors ça comment je peux faire pour cheater un peu le bordel? Pour que ça monte. Est-ce que tu peux monter dessus? Tu peux pas monter dessus toi? Si je prends... Parce que les jeux sont truqués, les jeux sont forcément truqués. Zaftar, il marchera pas si j'ai pas le fusible. Il faudra un fusible éventuellement. Ah, c'est beau, hein. J'adore la direction artistique du jeu. Là il y a un alter, je sais pas trop à quoi ça va me servir. Putain en fait c'est immense en fait. Voilà, je vais me faire électrocuter arriver en haut. Il n'y a pas de fusible non plus. Mon pote m'a dit qu'il avait écouté un super chanteur japonais alors qu'il parlait de Psy. Ah, ils se ressemblent tous, hein. Oh! Cette racism. Attends, je peux monter. Ah ouais, je peux monter là. Ah ouais, je peux monter là. Ok. Coupe-moi ça. Non, je peux pas. Ah, la clé à molette. Alors, on coupe ça. On s'en fout si t'es pas content, mon gars. On s'en fout complètement. D'accord, c'est temporaire. C'est temporaire. Qui réactive le son. With only three colors, I might as well just give away tickets. Arrêtez un peu le courant, ça sert pour une des trucs. Pour laquelle? Déjà ça va me servir. Ça va servir au fermier. C'est sûr. On va le poser là et on va le laisser au fermier qui va en avoir besoin ici pour aller réactiver l'eau. Faisons déjà ça, parce que ça on a compris qu'il fallait le faire. Alors là, on va faire ça. Ouais, je sais le gros marteau pour le jeu, mais je peux pas attraper le marteau pour le moment. Je ne peux pas avoir le marteau. Nice. Alors là on a fermé l'eau. On a fermé l'eau. On a réussi à fermer l'eau. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va aller voir ce que ça donne de l'autre côté. Ah merde, pardon, j'ai oublié de mettre ton pouvoir. J'ai oublié de mettre ton pouvoir, Gabon. Hop là, hop, nickel. Ok. Alors là, il y avait un truc. Les pompiers de mort, eux, maintenant vous faites quoi, vous? Ils font rien du tout maintenant.
maintenant. Alors maintenant ça c'est fermé, mais ça sert à rien. On va avancer avec les gamins parce que les gamins vont beaucoup plus vite. On va retourner au niveau de nos fusibles là, voir un petit peu comment ça sert de couper le courant. Parce qu'il y a forcément. These eyes have never failed me. Step on the platform and get your weight guessed. These eyes have never failed me. Step on the platform and get your weight guessed. You weigh 114. Right again, you lose. Ok, je crois que celui-là je l'ai. Alors on va remonter là-haut. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des boîtes à fusibles absolument. Ah mais attends, je peux monter là-dessus. À tous les coups, je peux monter sur cette merde. Il y a les haltères aussi, peut-être pour... Pourquoi ils pourraient servir? Je vais essayer un truc. Magnifico the Magnificent will now dazzle your mind with the most amazing disappearing act ever performed. Pay close attention to the cupcake on the pedestal. By the dark powers invested in me, by the County of Rutherford and the surrounding unincorporated areas, I pronounce you disappeared. What? Beaucoup trop fort, Magnifico. Back by popular demand, Magnifico the Magnificent will perform an encore of his world-renowned disappearing act. Presto Magnifico! Thank you, thank you. Please hold your applause. Get ready for the magic act Hog Traders Weekly called Mind-numbing and has nothing to do with selling pigs. Now you see it. No, you don't. Don't try this at home. Magnifico the Magnificent! The Magnifico! The Magnificent! You'd think someone of my talent would be performing in Vegas. Il veut pas me lire, cet enculé, well, Bata. You'd be wrong. No, ah, I'm not bitter. Keep your eye on the pedestal. Bam! Now it's gone. I need a new agent. Allô? Ah, ils sont invisibles. Mais je les ai encore. Oh, je sais, c'est pour cheater sur la balance. Ok, 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 ok. C'est pour tricher sur la balance. Ça. Attends, faut que j'y arrive assez vite. Ok, il est juste là. C'est pour tricher sur la balance, ça. Magnifico, the magnificent, highly repetitious, disappearing act will now begin. Non, non, on est toujours en solo sur les matinales. Next show is in 30 seconds. Give me that. Please kill me. Eh ouais, comme ça le mec le voit pas, il peut pas deviner mon poids. These eyes have never failed me. Your weight is exactly 289. I win again. Hey, that's not possible. I always guess right. This carnival game is now closed while we investigate the tampering with our tampering. Please leave. Allez, on voit le ticket, ma gueule. Et bim. Merci. Mais parce que ça fait longtemps que t'es pas venu, mon Exicraft, parce que ça fait un mois qu'on fait ça. Eh ouais. Salut Rasta. Putain, le génie. Bam, deux tickets. Alors, maintenant il me faut absolument le gros marteau là. Au moins le gros marteau. Alors je pense que le truc des couleurs c'est lié au courant électrique qu'on a enlevé. Thank you.
à molette. Je l'ai rangé quelque part. Ici. Il n'y a qu'un endroit où on n'est pas allé. Donc forcément le fusible est là-bas. Non! Non! Mais monte! Mais arrête de me troller là. Voilà. Oh, trop stylé. Beaucoup trop stylé. Là il y a une histoire. Allons voir l'histoire. Alors on refait l'histoire évidemment. Durable gamin. C'est simple que ça, c'était pas fait exprès. Ça, c'est pour l'instant, c'est des petites bêtises, c'est pas des grosses bêtises. Vous voyez s'ils finissent là. Ah, il est là mon fusible. Ok, fuck. Bon, faut jamais un autre perso du coup. Lui, il a rien dans les mains, lui, il a rien dans les mains. T'es sur PC? Oui, je suis sur PC. Comme toujours, Nexicraft. Là on est d'accord, il y a un fusible à pécho. Moi je pense que si je fais ça... Putain je suis un génie. Putain je suis un génie. Je me barre avec. Moi je peux pas faire de dons, j'ai pas PayPal. Mais vous avez pas besoin de PayPal, hein. Chaque fois vous sortez la même excuse, mais vous pouvez payer par CB les mecs, hein. Tous les dons qu'on a sont faits par CB, pas par PayPal. Mais ouais, mais ouais. Par contre vous avez pas de CB, ça c'est autre chose. Ok, si j'active ça, ça fait quoi? Oh merde, j'avais pas vu l'eau en dessous. Merde. Oh là il va faire un truc bizarre. Hop. On peut faire des dons par allopasse. Alors non. On peut pas faire de dons par allopass. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a décidé avec Vander que c'était pas bien pour vous notamment. C'est à dire qu'en gros la plupart des dons allopass c'est le début de du gros bordel. Puisqu'une fois sur deux un don allopass est réclamé. Si c'est pas par vous c'est par vos parents. C'est comme les youpass, les machins, les trucs. En fait en gros c'est des trucs qui sont faits pour vous inciter à la donation quand vous êtes mineur et en général vos donations sont retirées par vos parents ou par d'autres, donc c'est compliqué. Donc c'est compliqué, donc tout ce qui est allopass, bitcoin, tout ça on le fait pas. Si vous avez une carte bleue vous pouvez payer, vous êtes majeur, y a pas de problème avec. Mais ouais, je sais. Merde, qu'est-ce qu'il a dit? Patience is the true path to wisdom. Là il est vert là, alors je sais pas pourquoi il est vert mais ça a l'air bien. Ah, I fucking know. I know. Alors attends, putain, où est-ce qu'il est lui? Il m'a donné la prochaine couleur en fait. Je pense que le mec m'a prédit la prochaine couleur. Il y a un énorme incendie à côté de Bordeaux en Gironde. Si vous n'êtes pas au courant, il y a eu masse de gens qui ont été évacués, tout ça, donc juste à côté de chez nous. À Pessac exactement. Ça a été assez impressionnant. Ouais, il y a eu. Ça a duré 4 jours quasiment, je crois, un truc comme ça. Il y a eu 600 et quelques hectares qui ont été brûlés. Tout ça parce qu'un couillon a oublié de d'éteindre sa clope, le mec. Eh ouais, eh ouais.
hop, take your chance with Lady Luck. Et je pense que lui m'a donné la prochaine couleur. If you're right, you win a ticket. Blue. C'était pas ça. Better luck next time. Alors celui-là, je vois pas comment on le brin. Mais comment? Alors celui-là, on a vu comment on avait triché. C'est bon, on l'a réussi. Et là, il y a lui, là, Val Elisabethar. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Et là, c'est bleu maintenant. Faut y aller maintenant. Putain, te rapproche pas au truc. Ok, c'est bon. Non, je suis con. Je suis con. Je vais faire beaucoup plus simple pour y être très rapidement. Alors, eux, on va les laisser là. Et lui, on va l'amener au bonhomme qui hop là, demande les couleurs. Et voilà, et voilà. Hop. Hop là, parfait. Donc maintenant toi là, Xavetar de mes couilles. Mais il a donné la couleur bleue. Alors on va voir si c'est ça. Non, je veux la couleur bleue ma gueule. Et donne-moi le bleu. And the color is green. Better luck next time. Alors à quoi il sert lui? À quoi je sers? Mission ill-suited traveler of the mind. On est d'accord, c'est les bonnes couleurs. And the color is red. Bim, c'était ça. Donne-moi le ticket. We have a winner. Parfait. That was our only ticket, so we're closing down for the night. Get out of here, scram. Oui, le grand incendie de Londres, où l'intégralité de Londres a été brûlée et réduite en cendres. Et c'est pour ça que maintenant, t'as toutes les maisons qui sont en briques, parce qu'avant, c'était quasiment que du bois. C'est tout à fait vrai ce que tu dis, ma petite amie. Londres a été une des seules grandes villes modernes à être détruite intégralement deux fois. Une fois en 1100 pendant le grand incendie et une autre pendant la seconde guerre mondiale. Quasiment la moitié de Londres a été détruite. Ok. Il ne reste plus que le dernier. Alors là, il nous faut la masse. Comment on va faire pour avoir la masse? Il va y avoir un lien avec le fusible dans l'eau. Donc on va aller voir comment ça se passe. Alors. Donc là il y a la masse. Il y aurait éventuellement Eâtre. Mais en fait les gens me gênent. Il faudrait que j'active ça. Ok, get it. Oh, Chagalit. C'est bon, je crois que j'ai compris comment qu'on pouvait faire. Alors, hop. On va amener le fusible de l'autre côté. Que c'est les danseurs exotiques de je sais pas quoi. Voilà, lui il fait ça. Alors toi, éteins ça, voilà, comme ça il n'y a plus de courant de danse, c'est plus dangereux. Coute le fusible. Allez! Putain, beaucoup trop fort! Ah là là, là 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 là. Non, c'est pas par là. Hop. Et hop. Bang! Allez, donne-moi le dernier ticket. Of love and teamwork, our friends have managed to lie, cheat and steal their way to five tickets and a pink bear. Now to snatch the prize and profess our undying love for the two-legged lady. Mega worse. Allez, il Willy. What the fuck?
Alors avant de faire ça, pose ça. Il veut pas poser ça. Ah, il doit, alors attends, on va faire la suite de l'histoire avant alors. Well, this is not a heartening turn of events. Apparently, what the amazing two-legged lady desires most is a man of ordinary strength. The hillbilly came so close to true love, only to have it snatched away by a rival who couldn't lift his own shadow if it went on a diet. Risque d'incendie maximal, on a le briquet. Il me faut un ticket. Non. Fuck off. Fuck off. Mais non. Aïe. Ah bah voilà, le ticket est gratuit. Parfait. I'm not sure taking up smoking is the right cure for a broken heart. But I don't think that is the hillbilly's plan. Is this really the path he wants to go down? Oh, il veut tout cramer. Alors attendez. On va faire un truc avant. Parce que si on veut tout brûler... Non mais oui, ils vont se tuer, c'est con. Si on veut tout brûler, on va éteindre l'arrivée d'eau qui est en bas. Allez les minots, descendez. Ah mais putain, à chaque fois je me plante. C'est par là. Hop là. Hop, hop, hop. Hilatzi, hilatza. Hop là, descendez. Poser ça. Le hillbilly va venir ici. Mais non, j'ai dit le hillbilly. Hop là. Le fermier un peu tardos. La la la. Prends la clé à molette, s'il te plaît, mec. Tiens, prends la clé à molette. Eh non, putain, qui... Prends la clé à molette, on t'a dit. Là-bas, il y a l'arrivée d'eau qu'on avait coupée au début. On savait pas à quoi elle servait. Maintenant, on le sait. Elle sert à cramer toute la fête foraine. Allez, va te venger! Va te venger, l'ami paysan! Tue-les tous! Et voilà, hop! C'est parti! On a tout ce qu'il faut! On a le briquet. Ah, il va me cramer tout ça. Crame-moi tout ça! The wise Lord Tennyson penned the line, "It's better to have loved and lost than to have never loved at all." He had clearly never met this group. C'est horrible. Génial. Donne-moi ça. Voilà. Piu-piu. GG nous. GG nous. Voilà, voilà. Passons le chemin.